Salut les gars! Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Maëva, toujours la sœur unique. Donc juste pour vous prévenir, on est en galère de luminosité. Pour vous dire si j'étais ma ring light, je vais quand même vous montrer ça. Tu vas vraiment faire ça? Oui, je vais vraiment faire ça. Attendez, il faut que je trouve la lampe. Regardez. Et nous ne sommes pas la nuit. Nous sommes même pas 4h de l'après-midi. Et pourtant on est dans le sud. Franchement, on est dégoûtés. Je suis en galère de vraiment de... d'essayer qu'on arrive bien à nous voir et qu'il n'y ait pas trop de grains. Donc je suis désolée d'avance pour la qualité de cette vidéo, j'espère qu'elle ne sera pas horrible. Du coup, aujourd'hui on est le lundi 12 décembre, c'est son anniversaire. Mon anniversaire, wouhou, 33 ans, ouais. Bon, je l'ai fêté ce week-end, donc là aujourd'hui on est plus entre nous pour faire le sapin. Donc on a sorti toutes les décos là, qui étaient dans ma cave et on est allé les chercher, on les a toutes mises sur la table. Donc j'espère qu'on va bien voir, donc on va sortir tout ça, on va voir ce qu'on va faire. Je vous ai dit que je voulais rester dans le blanc et noir et rajouter des touches de rouge cette année, des touches de ton de rouge. Donc on va voir ça, on va sortir tout ça. Donc je pense qu'il y aura peut-être des plans avec mon téléphone aussi parce que j'ai l'impression qu'on voit un peu mieux, plus lumineux en tout cas. Plus lumineux que ce qui est là, pourtant on est face à la vitre, hein, vraiment on est... Voilà, mais il fait on pas est devant la baie vitrée, ouais. Et devant une lumière quoi. Donc on vous prend un petit peu tard aujourd'hui, j'avais dit que je vous filmerais cette journée, mais en fait finalement on n'a pas du tout fait ce qui était prévu. On devait aller refaire d'autres magasins et trouver d'autres décos, mais on a eu trop la flemme. Voilà. On n'a pas bougé, ouais. On n'a pas bougé, il fait pas très beau, donc on a eu vraiment la flemme. Donc là aujourd'hui, c'est ce que je vous dis, on va sortir toutes les décos tout de suite. Je tourne un petit peu. Que c'est dans cet endroit là qu'on va mettre le sapin. Donc je vais tout débarrasser hors caméra, ça je pense. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que... ce qu'on va faire là, c'est qu'on va mettre un plan sur la table. On va peut-être faire le sapin sur cette table là, sur ma table de salon, parce que j'ai pas un immense espace. Et une fois qu'on aura tout mis ici, je le mettrai en place et je vous ferai un plan là-bas. Ça sera plus facile comme les autres avis. De toute façon, ça va pas changer. Le citron de Noël. Oui, donc vous savez que moi, mon sapin de Noël, c'est un sapin... un sapin qui est un peu dark, hein. Ça sera pas un sapin traditionnel de Noël comme je vous disais, mais bon, ça sera quand même mignon. On dirait que ton sapin c'est un cadavre. Elle a emballé son saucisson. Mais regardez, mon sapin il est là-dedans, mais c'est pour pas qu'il s'abîme dans la cave, donc je l'ai saucissonné, mais elle m'a dit qu'on dirait cadavre. Avec c'est clair là-dedans, le lierre là. Du coup j'ai récupéré ça d'Halloween et... Elle s'abîme. Et ça d'Halloween aussi. Et ça c'est mon... comment ça s'appelle? Ta jupe de sapin. Ma jupe de sapin. Donc, j'avais acheté ces boîtes à Action où j'avais mis toutes mes décos de Noël et d'Halloween. Donc j'ai qu'une boîte comme ça pour Noël. Et trois d'Halloween. Et trois, ouais non, deux d'Halloween. Du coup j'avais fait faire ces petites chaussettes trop mignonnes que j'avais fait sur Etsy avec le nom gravé. Donc il y avait la patte de chat pour Jarod, celle-là pour mon copain. Et moi j'avais acheté celle-ci à Kidstar en mode Halloween quoi. Mais j'ai pas écrit mon surnom dessus, peut-être que je le broderai moi-même. Oh. Donc ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là t'avais acheté ça l'année dernière. Ah oui, ça je vais les sortir. En vert de Action. Ouais, ils étaient trop beaux ceux-là. Ils ont sorti des boules un peu qui ressemblent comme ça avec une guirlande dedans, mais oui. C'est en boule. Ensuite, ça, des boules Harry Potter. Non, ça je vais pas le mettre. Moi j'avais des verts aussi à un moment. Ouais, mais là j'ai pas envie de faire vert ça par temps, j'ai pas envie de mettre de vert en fait. Moi j'avais des boules Harry Potter, donc ça on va pas s'en servir. Je vais pas me servir des guirlandes dorées non plus, j'ai pas envie de dorer en fait cette année. Alors là, t'as du noir et blanc et des trucs que t'avais fait toi. Ouais, bah ça je vais prendre le noir et blanc, je pense. Ouais, ça je vais les mettre. C'est les boules Kidstar que j'avais acheté l'année passée. Je crois qu'elles y sont encore sur le site, hein, où il y en a des similaires en tout cas. Ouais, il y en a plein, il y a même. Ils ont fait des ornements. Genre, comment ils s'appellent? Cthulhu et tout. Là. Ouais, il y en a des trucs. Ouais. J'ai hésité à recommander, mais je me suis dit non, c'est bon. C'est l'étoile? Ouais, l'étoile que j'avais acheté à Action l'année passée, toute noire. Je crois qu'elle y était encore. J'en avais vu. Des boules blanches. Ah oui, des boules blanches. Je sais que t'avais pris à Action. Oui. Ça je vais les mettre. En fait, t'as plein de guirlandes. Ouais, mais je vais mettre que la noire. C'est vrai que j'avais pris ça aussi. Ah oui, le bonhomme. Celui-là je vais le mettre en déco. T'as ça aussi, une guirlande. Ah oui, ça je vais le mettre. Flocon, hein. Action aussi, de l'année passée. Je vais tout sortir. Ça c'est quoi? Ah, c'est la maison. La maison? Moi j'avais acheté... Ah non. Oui, elle est là-dedans. J'avais acheté la maison comme ça à Action. Ah oui. Hop, celle-là. Oui, t'as des petites étoiles aussi, ouais. Et t'as ta boule celle-là. Ouais, là. Ça je pense que je vais mettre. Attends, cette bagelle là, je vais venir le mettre. Ah, après, j'avais des trucs en bois que je vais connaître. T'avais pris ton sapin. Ah oui, merci. Du coup, je voulais vous montrer cette année, du coup. Ah, merci, il est à l'envers. J'avais pris ça donc sur Amazon, c'est le petit gnome que je vous disais en gris. Trop mignon. Donc celui-là, je l'ai pas payé cher, je l'ai payé, je crois, 9 euros.
Donc voilà, ça fait un petit cale-porte aussi, mais il est mignon. Il est pas lourd. Hein. Il est pas lourd, non, vraiment. Et les baies que j'avais achetées sur Amazon, je crois qu'il y en a 10. Et ça fait des petites branches avec des petites baies, quoi, rouges. Donc ça, je pense qu'il y en a assez pour mettre dans le sapin. Je pense pas que je vais tout mettre. Donc c'est les choses que je vais rajouter à côté. Donc c'est parti, on a un petit peu fait de place ici. J'espère que vous verrez. Attendez, voilà, je vais mettre de l'autre côté. On va ouvrir le sapin. Le cadavre. On va ouvrir le cadavre. Tu es une organisation, t'as vu un peu. Voilà. Hop. On va caler le petit truc de tapis là. Comment c'est? Parce que ça, vous savez, c'était un set de table que j'ai acheté à Maison du Monde pour faire du coup le pied de sapin là, comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. À chaque fois. La jupe, à chaque fois. Ils sont là. Ah merde. Et on va mettre les petits pieds. C'est parti. Nous sommes partis. Attends. Voilà, le petit sapin. Du coup, ma mère a le même chez elle aussi. Ouais. Moi, j'ai fait rose et rouge. Ouais, je vous le montrerai quand j'irai chez elle un jour pendant les vacances là. Que j'ai caché dans ma chambre parce qu'il y a un chat qui l'a fait tomber plusieurs fois. Normalement, la semaine prochaine, je suis en vacances, je pourrais venir te voir. Oui. J'ai envie tellement d'être en vacances. Ce chapin, je l'avais acheté à Jiffy. Genre 3 euros. Ah ou même pas. Il était soldé. Ouais, je l'avais vu soldé, il avait payé 1€. 2€ je crois qu'elle avait. Mais j'ai le même et franchement ça fait, il fait grave effet. Ouais, franchement il est sympa. En plus moi j'ai acheté une guirlande blanche que je mets tout autour et du coup ben ça fait encore plus fourni. Ouais franchement non, je suis contente. De fois, si on le remplit bien, c'est pas choquant. Hein. Non. En même temps il y a que l'année dernière il y avait que celui-là de blanc. Ah ouais, on a galéré. Pas trouvé un. Mais même cette année t'en as vu dans les magasins? J'en ai vu des plus grands que j'en cherchais. Ah ouais. Moi j'ai pas vu. Franchement, il fait tellement bien l'affaire. J'en avais un très grand, enfin très grand, 1m80 je crois, vert, que j'avais acheté pas cher, mais franchement il tenait même pas droit. Puis vert ça m'a saoulé quoi, franchement blanc c'est neutre, on peut voir. Ouais, j'aime bien blanc, et puis j'aimais bien aussi, comment ça s'appelle J'aime bien rose. Non mais j'aimais bien rouge moi par contre. Ah rouge c'est beau aussi. Donc voilà, je sais pas si on a mis celle-là, j'hésite. Ah, je sais pas si elle est noire ou elle est argentée. Elle est argentée. Viens, on met d'abord la toute noire, que Jarod est en train de manger. Non, il a renié, je crois, juste. Excusez-moi, monsieur. Regardez qui est là, vous le voyez. Allez, arriver, non. Le monstre, il est dans le noir. Dans le monstre. Oh, regardez. Oh, ah, putain. On a tout niqué. Mon sapin. Elle est longue, ta guirlande. Ça va, il n'y a pas des boules encore dessus. Il est là. Tout va bien. T'as parlé trop vite, t'as dit le monstre, voilà. Chachou. Il a eu peur. Pardon. Oh là là, on le voit même pas, il est trop noir. Non, vous le voyez ou pas? Je crois pas, hein. Il est là. On le voit pas du tout. Putain, mais il est là pourtant. Il est dans la caméra. Oui, je pense qu'ils verront. C'est nous, on le voit pas parce qu'on est, on est éclairé par la lampe. Je suis pas sûre qu'on le voit. Ah ouais? Mon chachou, ça va mon bébé. T'as eu peur, hein. Voilà. C'est tout en. Oui, donc on va mettre cette guirlande noire qui vient de je ne sais d'où parce que je crois que. Je l'ai piqué. Bonne qualité. Tu l'as piqué aux parents? Ah, aux parents. Je l'ai volé dans les magasins. Non, je l'ai piqué à. Oui, ils avaient une guirlande noire. Je suis pas sûre. C'est moi qui l'ai acheté, peut-être. Je m'en rappelle pas. Allez, c'est parti. Vas-y, tournoille. Tournoille. C'est moi qui fais tout. Ah, attends, j'arrive. Je suis allée prendre le reste. Ton sapin, alors il faut que tu me dises si ça te plaît ou pas. Ouais, mais moi j'aime bien. Cordine. On sait comment mettre. Les guirlandes. Qui, moi? Non, mais toi, tu sais, tu mets à peu près comme moi. Quoi. Oui. Parce que j'ai vu une. En plus, il y a des gens qui mettent pas de guirlandes du tout, quoi. Non, mais il y en a qui mettent des guirlandes, mais ils les mettent dans un sens que j'aime pas du tout. Ils les mettent comme ça? Ouais, oh, je déteste ça. Moi, je suis désolée, mais ça, ça me stresse, moi. Là, ça remplit bien, là. J'hésite, hein, parce que l'année passée, j'avais mis ça. Est-ce que cette année, je remets ça? C'est beau. Ouais. Ça fait. Ça va bien aller dans le thème de la forêt, ouais. Avec les champignons et ouais, tout. Vas-y. Ouais, vas-y. Je sais pas si on voit bien, mais c'est les petites feuilles. Ah oui, oh, c'est bien. Tu peux même t'en mettre dans un bouquet ou oui. Quoi. Ça tu le mettras, comme ouais, ça. Ouais voilà, mais je vais pas en mettre beaucoup, tu vois. Ça va tenir. Bah oui, je pense. Tu veux pas les mettre maintenant?
Mais en fait, je voulais voir comment on mettait les champignons d'abord. Ah ouais. Ah oui, d'accord, j'en ai mis, c'est bon. Ouais, il y avait marqué que c'était pas une qualité de fou, mais que c'était après, du plastique. Mais franchement, c'est exactement ce que je voulais, c'était des petites branches. En plus, pour faire des photos aussi. Ouais, t'en mettras genre quelques-uns. Ouais, j'en mets pas 100 quoi, ouais. Ça fera joli, je pense. Ouais. Bon, on les enlève. On les met après, moi je vais les mettre après, ouais. Alors, qu'est-ce que après tu mets direct les boules? T'as pas une guirlande lumineuse? Non, la guirlande, je vais pas la mettre dedans, je vais la mettre autre part, je pense. Bon alors. Jarod, mange pas le sapin, s'il te plaît. On va mettre les boules qui sortent. Et les boules que j'avais achetées à Action. Donc voilà, avec les chauves-souris. Ah oui, la fameuse, c'est la fameuse que j'ai piquée chaque année là, qui était à elle. Bah non, ouais, c'est moi qui les avais trouvées, ouais. Quand je les avais trouvées dans un magasin, elle disait « Oh mon dieu, ça fait trop Tim Burton !» Bah oui, grave. Elles sont rayées. Putain, mais t'en as beaucoup, tu les mets ça? Quoi? Je sais pas. On peut les mettre un peu derrière, on peut en mettre quelques-unes. Quoique, on n'avait pas mis que les... que celle-là, l'année passée. C'est joli. Ah oui, c'est beau. Bah ouais. Ça, j'avais piqué aux parents. Ben oui, c'est tout, c'était aux parents. Tout, on a les petits stalactites noirs comme ça là. J'ai pas mis ça en là, là. Parce que ça fait trop de boue sinon. Putain, c'est quoi ce fil? Ouais, c'est... j'avais rattrapé les fils. Fifrelet. Ça fait trop beau ça. Je sais pas où la mettre. Est-ce qu'on met des boules, toutes des boules noires comme ça? J'en ai mis moi. Ça c'est joli aussi. Ouais, ça c'est joli. Je l'avais mis l'année passée ça. Donc là, la caméra quand tu. Ça brille. Faut essayer de faire des miniatures. Là, c'est beau. Ouais, c'est très beau. Tu veux que je te passe des boules? Ouais. Là, là. Oh là là. Waouh. Tous les tortillons. Il y avait ces deux là aussi. Genre un oursin de paillettes. Et celle-ci avec le flocon. Ça aussi, c'était à mes parents. C'est gros celui-là. Je pense que celui-là, il l'avait acheté à la Maison du Monde. Oui, je de crois, là, ouais. Mais pareil, ils n'ont pas refait de sapin noir, beau, non? Noir, non. Non, cette année, ils ont fait bleu et doré. Quelle... c'est qu'on a mis, celle-là. Bon, il ne se verra pas trop, mais ça fait des paillettes. Ouais. Voilà. Ouais, c'est bon. Ok, celui-là, je ne le vois pas. Tiens, le soleil, il n'y a pas donc, même paillettes au fond, je ne sais pas. Et des épaules qui brillent, là. Ouais, elles sont là. Vous voyez le chat, là? Ça c'était Jiffy l'année dernière. J'ai tout cassé. C'est des étoiles holographiques. Elles sont super belles, mais alors elles sont très très fragiles quoi. C'est du plastique très fin. Je les ai bien montrées. J'ai mis 100 ans à les choisir parce que l'année passée c'était tout abîmé. Mais bon, celle-là je la mets là. Oui, il n'y a plus de place là. Oh, en plus ça pend fort ça. Ça pend fort. Ça pend fort. Ça pend. Voilà. Il est beau mon sapin. On va mettre où les chats? J'ai envie de mettre deux touches rouges maintenant. T'en as combien? Heureusement que j'ai acheté que 3 champignons en vrai. Ah. Voilà, mais c'est bien comme ça. Ça fait devant. Très beau ce sapin. Ouais, ça fait joli comme ça. Bon, on peut les mettre les trucs rouges maintenant. Ah. Les champignons. Faut pas tomber, ça c'est en vert, non? Ouais, ça par contre faut faire attention. Oh, c'est trop cute. Bah ça après tu peux les mettre n'importe où parce que même sur là où il y a des bouts. Oh, ça tient pas. Ah ouais? Oh merde, c'est trop lourd. Ok, merde. Regardez ça, cette merde. Attends, faut les pincer plus loin, peut-être. Ah. Ou alors... Faut faire un clip de branche. Je l'ai collé. Tu peux bouger la branche. Et ça, on en met quelques-uns pour voir ce que ça donne. Oui. Je vois pas, c'est des étoiles, non? On n'en met pas beaucoup ça, hein. Pour les vœux. Ouais, on n'en met pas beaucoup. Ah oui, voilà. Bah, parfait. Voilà. T'en veux pas un autre, genre vers là, là? Ouais. Mais après, vous mettez la petite étoile, là.
Ouais, c'est pas mal là. C'est ça beau. Un peu chargé. Moi j'avoue que on est un peu. Bon, on a tout mis quoi. Ouais. Tu vas enlever des trucs, enlève hein. Je réfléchis. Après c'est beau hein. Non, ça va encore. Ça va, ça fait pas abuser. Moi j'aime bien quand c'est chargé, mais. Peut-être que lui, j'aime pas les gens qui font un sapin qui mettent trois boules là. Oui, non, c'est clair, moi non plus. Une guirlande lumineuse et c'est fini quoi. Moi j'aime quand c'est. C'est beau que ça brille de partout. On voit un peu mieux. C'est vrai que les, par contre les petits champignons, je pense que ça tient. Ah, c'est super chiant à mettre. C'était hein. Des épaisses, ah ouais. Comme peut-être avec un vrai sapin, les branches elles sont plus dures. Je sais pas, ça tient pas quoi. Il me casse le. Moi j'ai clippé deux branches. Ah ouais. Pour que ça tienne mieux. Genre ces deux là. Là vas-y. Ah mais justement je voulais mettre plus. Oh quoi que ça va. Non ça va comme ça. C'est beau hein. Je m'extasie devant le sapin. J'adore les sapins. Attends, je réfléchis pour foutre cette boule autre part. Voilà. Ah, là, c'est parfait. Voilà. Pas mal, là. Bah, c'est bon, hein. Tu ouais. Mets l'étoile. Il faut juste mettre l'étoile. C'est bon que tu aies fait ton sapin pour ton anniversaire. Bah oui, c'est sympa. Je vais monter un peu l'histoire pour mettre les paillettes. C'est l'histoire. Les paillettes plein les doigts. Ouais. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais l'étoile est mise. Voilà. Regardez-moi ce beau sapin. Attends, mais je vous filme plus dans le cadre. Voilà. Je vous filmerai tout à l'heure de plus près. Un zoom close-up quand, voilà, quand il sera mis là-bas. Donc voilà. Et voilà, regardez, j'ai mis le petit gnome, il est pas trop cute, trop mignon. Regardez, j'ai mis les chaussettes ici. Et là, on l'a mis sur le petit meuble. Donc là, il y a mes calendriers, j'ai foutu mes plantes derrière. Et voilà, je trouve que ça rend trop trop bien. Regardez les petits champignons, les petites baies, les étoiles. Voilà. Alors regardez, j'ai mis les sapins ici. Je les ai pas allumés encore, il faut que je mette des piles, il faut que j'en achète je pense, parce que j'en ai plus. Et juste là sur le côté, j'ai mis le petit bonhomme et la petite maison. J'avais enlevé toutes les piles, voilà. En train de regarder un petit film de Noël là. Et là sur ma petite table de salon, j'ai mis la fausse plante que j'avais achetée. J'ai mis deux bougies de Noël, dont celle-ci au sapin de Yankee Candle et celle de l'année passée que j'avais eue par ma sœur. This season. Oh. Qui s'entre. This season. Non, c'est this season. Non, c'est this season. Yes. Bon, celles-là, elles sont trop bonnes, comme je disais, c'est vraiment ma préférée. Et derrière, j'ai regardé celle que j'avais mis pour l'automne de Bassin Boudewerk aussi à la Cinnamon Pumpkin. Mais elle est trop belle. Voilà, donc ça, j'ai mis ça dans ma petite. Petit plateau avec la plante, je trouve que ça rend trop bien. Bon, désolé, on vous reprend en pleine lumière. Il y a le sapin qui est juste là, mais on le voit pas bien ici avec la luminosité, c'est horrible. De toute façon, je vous mettrai des close-up qu'on a fait tout à l'heure, donc vous verrez mieux. Donc écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à bientôt. Bye, bye.